contente de vous retrouver aujourd'hui enfin pour mon haul des États-Unis. Donc on est rentré tout à l'heure et je me suis dépêchée pour vous le filmer avant de tout ranger, surtout parce que vraiment il fallait que je range tout. J'ai acheté pas mal de choses dans pas mal de marques, vous en doutez. Comme j'ai presque rien testé à part un ou deux trucs, et dans ce cas-là je vous le dirai, c'est surtout pour vous montrer, mais après je vous ferai des revues sur chaque produit. J'en ai acheté qu'on peut trouver en France, mais pas en boutique comme ça, comme NYX par exemple, et que je voulais voir vraiment avant d'acheter, ou alors qui était beaucoup moins cher là-bas, enfin beaucoup moins cher, oui. Il y en a qui étaient beaucoup moins chers. Voilà, j'ai acheté des marques qu'on ne trouve pas en France non plus. D'abord, j'ai commencé par Organix, donc OGX. Là, c'est une marque de shampoing. Alors, en rentrant à Paris, chez ma maman, je l'ai vue chez Monoprix. Quand je suis partie, elle n'était pas dans le mien. Et je ne savais même pas que ça arrivait en France, en tous les cas chez Monoprix. Parce qu'on pouvait les trouver, je crois, sur V-Inc. Et donc, j'avais envie de tester depuis quelques temps. Donc, il y a plein de trucs dans la gamme. Aux États-Unis, j'avais pris pour tester parce que je voulais pas me travailler avec des énormes tailles. J'avais pris des tailles voyage, donc shampoing et après shampoing. En tous les cas, je les ai testés et écoutez, non, ils sont très bien. Voilà, ils sont très bien. Je vous en reparlerai un peu plus après. Je les ai utilisés qu'une fois, donc voilà. J'ai trouvé, je vous en parlais très brièvement parce que vous le connaissez, mais je voulais juste vous en parler parce que j'ai trouvé mon sérum, l'Advanced Night Repair. Alors déjà, il était beaucoup moins cher aux États-Unis. Le 50 ml est au prix du 30 chez nous, à peu près avec la conversion. Et moi je l'ai trouvé au duty free là. Et en fait à l'aéroport ils ont une édition qui est que pour eux, qui fait 100 ml, donc qui n'existe pas en France. Des fois ils font du 75 mais c'est rare. Et 100, j'ai jamais vu en magasin. Et donc ils ont cette édition là et je l'ai payé 112 $. Quand on sait que je paye en France chez Sephora, je crois 120 € le 50, voilà. Donc si vous passez à l'aéroport et que vous utilisez ce sérum, je vous conseille d'aller demander à Estée Lauder, parce que généralement, et je l'avais déjà vu en France aussi, quand je vais à Paris en avion et que après je fais Paris-Nice, je l'ai déjà vu à l'aéroport de Paris. Je l'avais vu à, je crois, 150 €. Donc c'est énorme, mais si vous voulez, 100 ml, ça vous dure un an à peu près. Je pense, parce que le 50 ml, il me dure un peu plus de 6 mois. Donc voilà. Donc je voulais juste vous parler de ça vite fait. Ensuite chez Laura Mercier, j'ai acheté le fond de teint Finilis Fluide Peau Parfaite, voilà, qui était sorti l'année dernière, que j'avais pas acheté parce que parce qu'en fait ici bah, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. On trouve à Paris au bon marché, au printemps, enfin au grand magasin. Mais ici on a vraiment beaucoup de mal à trouver la marque. Donc c'est les fonds de teint, je préfère quand même au moins les swatcher en magasin, voir ce que ça donne pour les acheter et pour la teinte surtout. Donc là-bas je l'ai vu, je l'avais regardé. Il y a une dame très gentiment qui m'a proposé de me faire un petit pot pour que je puisse le tester. Et en fait je l'ai testé sur 2-3 jours et après je l'ai acheté parce qu'il était trop bien. Je l'ai remis une fois depuis et voilà. Par contre c'est un fond de teint qu'il faut beaucoup secouer, sinon vous vous retrouvez avec, vous savez, comme de l'eau qui sort et pas de matière. Donc il faut beaucoup le secouer avant d'utiliser, mais j'en suis très contente. Chez Sephora, un rouge velouté sans transfert, comme j'aime beaucoup, et c'est, je crois que c'était une édition limitée là-bas, c'est le 14, donc je ne l'ai pas encore essayé, mais c'est un espèce de sangria de chez Kardashian Beauty. J'avais commandé de leurs produits sur fil unique, que j'avais bien aimé, j'avais commandé surtout pour les lèvres. Donc là j'ai voulu tester un gloss normal, donc il est un peu mordoré, c'est le numéro 322 Honey en fait, voilà. Donc c'est leur gamme de gloss au miel. C'est un truc un peu mordoré, transparent sur les lèvres, mais très joli, et j'aime bien la marque Kardashian Beauty. Je trouve que c'est pas... enfin que c'est une bonne marque de drugstore en fait, voilà. C'est des prix de drugstore, etc. Ensuite j'ai pris une petite palette, voilà, donc dans les tons roses. Donc c'est leur Gradiant Eye Palette, qui sont, je l'ai prise parce que vous allez voir, je vais essayer de vous l'ouvrir. Elles sont pas mal faites. Donc à l'intérieur vous avez un petit embout mousse, double embout mousse. Et en fait, alors vous avez deux fards, voilà. Là, enfin chacun dans un pan. Là, vous avez plusieurs ombres
irisés qui sont dans un pan, donc vous pouvez les mélanger. Et là, vous avez une ongle plus foncée, irisée, toute seule. Et je trouvais qu'elles étaient pas mal faites comme ça. Et que j'avais bien envie de tester. Elles avaient l'air... Enfin, je les ai swatchées en magasin, ça a l'air pas trop mal pigmenté. Franchement, c'est pas mal. Et c'est une marque que j'aime vraiment bien, en plus, Kardashian Beauty. Après, c'est beaucoup des trucs Kardashian, donc très irisés, très pailletés, très... nude qui se voit, voilà tout ça, mais franchement vous voyez, ça a l'air bien pigmenté et c'est velouté et tout. C'est disponible sur fil unique, donc je vous mettrai le lien sur le blog. Chez Physician Formula, j'avais très 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 envie de tester leur trio de colle. Donc celui-ci c'est le nude, où vous avez un colle champagne, un colle un peu plus marron et un colle noir, donc celui-là est un peu marron glacé. Je les ai pas encore essayés, donc voilà, mais ça me faisait très envie, je sais pas pourquoi. Apparemment c'est waterproof et mon Physician Formula maintenant on le trouve assez facilement en France, mais là c'était vraiment pas cher. Et j'ai pris un de leurs mascaras aussi. Alors le packaging est très spécial. J'ai pris celui-là parce que c'était celui qui me faisait le... Franchement je regardais l'emballage et je comprenais pas tout. Pourtant ça a été l'anglais là-bas, il n'y avait pas eu trop de problèmes. Je comprenais assez bien, mais je comprenais pas. Donc je pense que c'est le volume, donc il est rouge. Et dessus, vous avez un peu de feutrine noire, un peu dentelle. Et un petit nœud avec une chaussure. Donc le packaging, très honnêtement, je déteste. Voilà. Mais il me paraissait bien. Et surtout, la brosse me faisait envie. Alors normalement, j'aime pas ça, les brosses à picot. Mais là, je sais pas si vous allez voir. Elle est super... Elle est vraiment spéciale. Le bout est plat. Voilà. Et vous avez des tout petits picots tout autour, mais comme une brosse comme j'aime en fait. Comme j'aime à poil, mais celle-ci est à picots. Et franchement, ça me faisait vraiment envie. Les picots sont pas trop longs, donc ils vont pas me tuer l'œil. Et voilà, donc je vous en reparlerai. Hein. C'est pas dit que finalement j'aime bien, mais je ne l'ai pas encore essayé. Et voilà. Chez Lorac, je n'ai pris qu'une seule chose et ce n'est pas une palette. D'ailleurs, je crois que la Kardashian, c'est la seule palette que j'ai prise. Les Lorac Pro, que ça soit la Pro 1, la Pro 2, la Mega, la ce que vous voulez, m'ont jamais plus tenté que ça. Sinon, je les aurais déjà commandées par Chipito. Donc, voilà. Par contre, Lorac Teint, j'étais déjà plus attirée. Et donc, j'ai trouvé un petit duo, voilà, bronzer et highlighter. Donc vous avez un bronzer mat et un highlighter champagne qui se voit pas trop. Enfin, il se voit, mais je veux dire, c'est pas non plus le truc boule à facette, quoi. Et j'ai bien aimé le packaging avec le petit miroir. Pour emporter, c'est pratique. Voilà, j'ai bien aimé la présentation comme ça. C'est deux pannes bien séparées. C'est pas les deux poutres sont pas placées ensemble. Vous avez vraiment deux pannes bien séparées. Et voilà, donc ça, j'avais envie de tester. J'ai pris que ça chez Lorac. Et chez Too Faced, j'ai pris un rouge à lèvres qui est le Pink Chocolate. Voilà, qui me faisait bien envie. J'ai beaucoup acheté ces couleurs-là. Donc c'est un marron rouge rosé. C'est dans la gamme La Crème que j'aime énormément, cette gamme. Et ça, c'est une couleur qu'on n'a pas chez nous parce qu'on n'en a pas beaucoup. Là-bas, il y en a plein. Je vais vous la swatcher juste pour le plaisir. Évidemment, j'ai encore pas fait le swatch au bon endroit. On est habitué. Et cette gamme-là, j'adore. Ça, je regrette. J'aurais dû en prendre plus de ces rouges à lèvres-là. De chez Bar Mineral, j'ai essayé aussi leur Pretty Amazing Lip Color. C'est des espèces de lacs à lèvres, voilà, mais qui se voient. Elles se matifient pas, mais elles ancrent un peu la lèvre. Donc j'ai pris un nude, le Fearless il s'appelle. Et en plus je l'ai trouvé dans un outlet, donc il était à moins de 25%, un truc comme ça. Par contre les outlets là-bas c'est de la bombe pour les fringues et tout, mais vous avez aussi du maquillage. Que par exemple vous allez à la Vallée Village en France, j'habite à côté donc je sais, il y a beaucoup de fringues, c'est super intéressant. Mais il n'y a pas de maquillage, de trucs comme ça. Alors que là-bas, si, je voulais tester la marque Buxom. J'ai pas eu le temps de trop m'y attarder en fait. Mais c'est de ma faute. Je regardais d'autres trucs que je connaissais plus, etc. Mais j'ai trouvé un petit coffret avec deux rouges à lèvres. Vous avez, donc c'est des mini, hein, c'est des miniatures. Mais je trouvais le petit coffret bien pour tester. Vous avez le rouge qui s'appelle... Provocateur,
et un nude qui s'appelle tout simplement Nudist, voilà, qui va peut-être être un petit peu clair pour moi, mais on verra. Franchement, j'aurais voulu plus m'intéresser à cette marque. Et en fait, il y avait tellement de marques dont j'étais fan et tellement de marques que je voulais voir que bah voilà, il y en a un peu qui sont passés à la trappe. Donc je suis contente d'avoir trouvé ce petit kit, je vais au moins pouvoir tester. Et après, si ça me plaît, si c'est vraiment agréable, etc., je recommanderais. Ça a l'air d'être une très très jolie marque de ce que j'en ai vu. J'ai pris juste de chez Saint-Yves le fameux gommage à l'abricot, donc j'en ai pris deux. Pour moi, c'était pas très cher, pour être sûre. Voilà, je ne l'ai pas encore essayé, donc je ne peux pas vous dire. De chez It Cosmetics. Alors, ils m'ont vendu du rêve, parce qu'avant de préparer mon voyage, je l'ai quand même préparé. J'ai regardé sur Ulta, j'ai regardé sur Sephora, etc. Et donc, sur Ulta, ils vendent cette marque et ils m'ont quand même vendu du rêve, parce que vraiment, c'est le truc de fou, genre la CC crème de malade. Alors, j'ai jeté la boîte, parce que j'avais plus de place dans la valise, donc j'ai jeté certaines boîtes. Mais alors, vous voyez, la boîte, la nana, elle a une peau, mais elle est toute rouge avec des cernes énormes, machin. Elle met ça, elle est genre, c'est un mannequin, donc c'est très américain. Mais voilà, ils m'ont un peu vendu du rêve et par contre elle était assez chère, je trouvais, elle était à 36$ quelque chose pour une CC crème, je trouvais ça un peu cher et je l'ai trouvée en format voyage en 12ml, donc ça suffit pour essayer, une CC crème plus avec une couvrance totale, plus un sérum anti-âge hydratant, plus un SPF de 50 plus UVA-UVB. Voilà, enfin, apparemment c'est le truc de malade, donc je vous en reparlerai. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pris pas mal de formats voyage pour pouvoir vraiment essayer plus de choses entre la place dans la valise, les sous, parce que ça coûte quand même pas mal. Et tout ça, les formats voyage sont bien. Et de chez eux, j'ai aussi pris un mascara. Alors lui, je l'ai essayé parce que Tightline, ça c'est son nom, mascara 3 en 1, eyeliner, primer, mascara. Déjà, le truc m'a un peu. Voilà. Vendu du rêve. Et alors, la brosse, je suis obligée de vous faire un close-up parce que la brosse donc est là, en poil. C'est le truc le plus fin du monde. Et en fait, donc il vous dit que ça fait eyeliner, mais c'est parce que si vous voulez, comme la brosse est petite, vous prenez bien à la racine et vous allongez, ça teinte bien la racine. Mais il est pas mal, à ce sujet près que, oui, enfin je sais pas comment vous expliquer, je l'ai mis l'autre soir, donc quand on met du mascara, une fois qu'il sèche, vos cils sont galbés, ils sont pris dans le mascara, etc. Et lui, il sèche. Mais comme si c'était du tissu, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un effet, c'est pas cartonné, c'est comme un peu poudreux, sauf qu'il n'y a aucune chute, il fait pas des chutes. J'ai déjà vu des mascaras qui faisaient ça, mais franchement ça rendait pas bien parce qu'il faisait des chutes. Lui il tient, mais du feu de Dieu, il fait aucune chute. Comme, franchement je sais même pas comment vous dire, mais c'est super bizarre. Franchement c'est très bizarre, mais il fait des très beaux cils, il est très bien, il tient bien. Il est très très léger et très agréable sur les cils. Ensuite je suis tombée sur une boutique Honest Beauty, donc c'est la marque de Jessica Alba. Elle avait fait une première marque je crois pour la maison, enfin j'avais vu ça de très très loin, et elle a sorti une marque, une gamme de beauté. Il y avait au centre commercial The Grove à Los Angeles, il y a une boutique qui vient d'ouvrir, c'est la seule que j'ai vue de tout le voyage. Donc je suis allée y faire un tour pour voir quand même ce qu'il y avait, etc. Donc c'est des très jolies boutiques, très épurées, très blonds. Voilà, la boutique est vraiment très belle. Il y avait du soin, il y avait du maquillage. Moi j'ai craqué pour la crème teintée, parce que j'avais fini ma crème teintée de chez Nars, que j'ai acheté d'autres fonds de teint, donc voilà, mais... pour remplacer ma crème teintée de chez Nars, elle me paraissait bien. Et pour un de leurs crayons à lèvres, donc c'est un jumbo, j'ai pris la gamme, je crois qu'il y avait deux gammes ou trois gammes. J'ai pris la gamme qui était la plus pigmentée et qui était un peu semi-mat. Et j'ai craqué pour le Mulberry Kiss, donc c'est un prune burgundy mûr. Voilà. Ils me l'ont essayé, mais ils ont essayé tous les deux parce qu'ils m'ont essayé la crème pour trouver ma couleur. Qui est vraiment pas mal, donc la crème est bien, je l'ai reportée après 2-3 fois. Il y a un SPF de 20 en plus et j'ai l'impression qu'elle hydrate pas mal. Et le crayon, je l'ai essayé que cette fois là, donc quand ils m'ont essayé en magasin, la couleur a bien tenu. Donc c'est du semi-mat, c'est à dire que quand vous l'appliquez il est pas mat, et en s'estompant un petit peu la matière, le côté un peu glossy disons s'en va, mais la couleur reste.
Ça reste pas aussi opaque que celui-là par exemple que j'ai, mais franchement je les ai trouvés très bien, j'ai été très agréablement surprise. J'aimerais beaucoup que la marque arrive en France. Chez Bath & Body Works, j'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté des trucs pour les mains là, des petits gels antibactériens, et puis je me suis acheté un petit truc pour mettre à mon sac ou à mes clés, et j'ai pris des gels douche, donc là j'en ai que 3 parce que les autres je crois que je les ai déjà rangés en fait, j'ai un peu eu la flemme de les ressortir. Bon, après j'ai pas pris plus de trucs, j'ai pas pris de lait pour le corps, de gros trucs, parce que déjà si vous voulez le lait pour le corps, déjà que moi je sais que j'en ai plein chez moi et que j'en mets jamais parce que j'ai la flemme. Voilà, donc je vais pas mettre du poids pour ça dans la valise, même s'ils sentaient très bon, qu'ils avaient l'air très agréables, mais je me connais. Et si mon chéri, je les vois là, a pris deux trucs pour la maison, la parfum d'ambiance de chez eux. Pareil, des trucs d'automne-hiver, je crois que c'était des éditions limitées qui sentent bon. Chez Tarte, j'ai pris que deux trucs. Oui. Je voulais depuis des mois et des mois et des mois et des mois, depuis qu'il est sorti en fait, je veux la palette Tartelette. Écoutez, je l'ai vu en vrai et non, en fait, j'ai pas craqué. Même mon chéri voulait me l'offrir parce que je lui ai montré 50 fois et tout. En lui disant, on va là-bas, je vais pouvoir m'acheter cette palette, machin. Il y avait eu une ou deux teintes que j'aimais beaucoup et le reste des couleurs que j'avais, etc. Et puis voilà, donc en fait, je l'ai même pas prise. J'ai juste pris leur bébé crème en taille voyage que j'ai assez hâte de tester. Donc je l'ai trouvé en light, donc matin, donc je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Et j'ai trouvé un petit duo avec un de leurs blushs, donc c'est des miniatures encore une fois. J'ai bien aimé parce qu'il y avait les échantillons de leur... Dans chaque miniature, vous avez les échantillons de leur huile là, que je voulais tester depuis longtemps aussi. Donc il y a un de leurs blushs et un de leurs crayons à lèvres, donc c'est les lip tint, c'est pas les mattes, il y a une gamme de mattes, ceux-là c'est les normaux, plus un rose assez nacré, voilà, et un de leurs fameux blushs, donc c'est le sweet, enfin même en miniature ça va durer un peu de temps je pense, donc c'est pareil, c'est le rose qui va avec le petit, donc c'est un rose irisé, et en fait je l'ai pris parce qu'il est tellement irisé, avec un petit irisé doré, mais discret donc joli, m'a fait penser au orgasme mais en rose, le orgasme de Nars mais en rose en fait, voilà. Et donc je le trouvais trop mignon, les petits roses froids comme ça un peu dorés, ça me va bien. Dans la marque Ulta Beauty, puisqu'ils ont leur marque, et il y avait une promo, donc 3 produits achetés à 9$ au lieu de, ça dépendait de ce qu'il y avait, mais je sais que par exemple les ombres que j'ai prises elles valaient 4$ l'une, donc voilà. Donc j'ai pris celle-ci qui s'appelle Sweet Dream, donc c'est des fards cuits, donc je pense qu'ils sont très très bien utilisés humides. Donc vous avez un côté rose et un côté un peu météorite, qui rend bleu rosé disons. Et Taken, donc il y a un côté gris et un côté mordoré aussi, mais beige cette fois, beige et marron, ça donne un joli beige. Et j'ai pris un de leurs rouges à lèvres mat. C'est le haul des rouges à lèvres mat liquides. Hein, je vous le dis parce qu'il y en a plein d'autres qui arrivent. Un de leurs rouges à lèvres mat. Donc mat ultra lip cream. Et celui-là c'est le striking. C'est un rose magenta. Il est très joli. Je l'ai porté il n'y a pas longtemps. Il y a 2-3 jours. Et j'étais assez contente. C'est pas le meilleur mat qui soit. Mais j'étais contente du confort. De chez Josie Maron, marque que j'ai envie de tester depuis très longtemps. Je pensais prendre plus de trucs, c'est pareil, finalement j'ai craqué que là-dessus pour le commencer. Donc c'est un coffret avec leur huile démaquillante, leur fameuse huile d'argan pur, donc qu'on met sur le visage, et le Protect, donc c'est le soin de jour hydratant avec une protection solaire. Je vais l'utiliser ensemble en une fois je pense, enfin en une routine je vous montrerai, donc je pense que je mettrai celui-ci le matin sur mon sérum Estée Lauder et le soir je démaquillerai avec celle-ci ou pas, ou enfin je démaquillerai celle-ci pour les yeux en tous les cas. Je parle de mon problème avec l'huile démaquillante, je vais vous faire un article bientôt. Et le soir, sur mon sérum, je mettrai l'huile. Je ferai comme ça je pourrai vous parler quand je les aurai terminés, comme des petits formats, mais je pense que ça permet pas mal de tester. Vous avez 15 ml de chaque, là, et celle-ci 55 ml.
je pourrais vous parler de la gamme et puis vous dire ce que j'en ai pensé à la fin quand j'aurai bien terminé tout ça. Ensuite, de chez Stila, je me suis restreinte. Et en fait, j'étais tellement obsédée par ce petit kit que j'ai pris que ça parce que j'ai eu vraiment du mal à le trouver. Donc c'est les ensembles de rouge, enfin c'est leur rouge à lèvres liquide, Eternal Love. C'était trois couleurs exclusives pour ce kit en plus. Donc on a Rico, qui est un bordeaux marronné, voilà. Besso, qui est un vrai rouge, il est mais un vrai rouge sans mat, pur, il est sublime. Je l'ai porté. Et mon préféré qui s'appelle Baki. Alors comme ça il a l'air rose très nude. Et en fait une fois porté, il est c'est un rose avec des sous-tons mauves. Faut pas le porter avec n'importe quoi. Il faut un petit peu charger les yeux pour régaler si vous voulez. Parce que sinon ça fait un peu, ça risque de faire un peu cadavre. Mais il est mais sublime. Franchement, en fait, c'est surtout pour lui que je voulais le kit parce que j'ai des très beaux rouges. Celui-ci est vraiment pas mal, mais j'aurais pu trouver un dupe. Mais il est très joli, je ne l'ai pas encore porté, mais je l'ai swatché. Mais alors celui-là, il me faisait mais trop envie et il est, je suis vraiment pas déçue. Chez Marc Jacobs Beauty, donc chez Sephora là-bas aussi, j'ai trouvé un Kiss Pop que je n'avais pas. Alors en fait, il y en avait trois sur le site que je n'ai pas et que je voulais. Un que je voulais vraiment énormément. Et introuvable en magasin mais dans aucun Sephora. Donc j'ai pris le seul que je trouvais qui s'appelle Smack. Et qui est un rouge marron très très foncé. Je ne l'ai pas encore essayé, j'avais swatché en magasin mais je ne l'ai pas encore essayé. Pour l'hiver il va péter, j'adore. Et j'ai pris le nouveau fond de teint, donc le Remarkable avec le pinceau. Je sais que c'est sorti en France, c'était un peu moins cher là-bas et puis j'avais envie de le ramener, voilà. J'ai pris la teinte Ivory Medium. Les fonds de teint, de toute façon, je vais vous faire une vidéo revue et application comme je fais d'habitude. Celle-ci, comme il est sorti en France, je vais vous la faire assez vite. Et en plus, donc, j'ai pris le pinceau The Face 3 qui va avec. Donc celui-là j'ai pas demandé d'échantillon avant parce que j'avais lu tellement de bonnes choses positives que je suis allée un peu en me disant que ça devrait aller. Je vous fais la revue et l'application très vite, je pense dans la semaine ça va arriver donc je vais pas m'étendre trop sur le sujet. Mais voilà, j'ai coupé la vidéo en deux donc je vous laisse aller voir la vidéo qui est juste après pour la deuxième partie du haul parce que sinon c'était beaucoup trop long.